Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du ventilateur Monal T60 de la société Air Liquide Medical Systems. Monal T60 est un ventilateur à turbine autonome en air permettant le traitement des nourrissons à partir de 3 kg, des enfants et des adultes. Il n'est pas prévu pour la ventilation néonatale. Le but de cette vidéo est de faire un descriptif externe du ventilateur. Commençons tout d'abord par le côté droit. Vous avez le bouton d'allumage du ventilateur. Juste en dessous, l'emplacement pour la connexion à l'alimentation externe de l'appareil. Ici, un filtre HEPA, un filtre à fines particules qui va vous permettre de filtrer l'air avant de l'envoyer au patient. En dessous, l'alimentation en oxygène de l'appareil avec une entrée O2 haute pression et une entrée O2 basse pression. Ici, un emplacement pour une batterie extractible supplémentaire qui offre 2h30 d'autonomie. À l'intérieur de la machine, il y a une batterie interne qui offre elle aussi 2h30 d'autonomie, ce qui fait une autonomie totale de 5 heures. En retournant l'appareil, vous avez de l'autre côté le bandeau patient avec la branche inspiratoire, le bouton d'éjection de l'ensemble expiratoire et juste ici, un emplacement pour brancher une sonde de capnographie appelée sonde IRMA. En façade, l'écran tactile, le voyant de charge batterie et de branchement au secteur. Sur le côté, le bandeau des alarmes, un bouton rotatif pour les validations ou les modifications. Sur le dessus de l'appareil, trois emplacements informatiques. Tout d'abord, un port USB-B pour vous connecter à un ordinateur, un port USB pour extraire les données du ventilateur et enfin une prise pour le report d'écran. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation.